C'est en tout cas le sujet qu'a choisi Anthony Joubert, les écoliers nuls en histoire géo. C'est son 8e passage dans On ne demande qu'à en rire. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est nous tous un ami. Ah, j'aime cette intro parce qu'elle me déstresse. Oui, oui, moi j'étais stressé deux fois dans ma vie. Ici, hein, il n'y a pas de secret, et à l'école. Vous avez vu comme j'ai bien fait la transition? Ils s'en foutent. Voilà. Non, mais c'est vrai, moi, à l'école, ça m'a jamais plu. Moi, ça commençait en primaire, l'école, pas me plaire avec ma maîtresse. Je vous jure que c'est vrai, là. À chaque fois que je faisais une faute, vas-y qu'elle te tirait l'oreille. Une petite rature, vas-y qu'elle te tirait l'oreille. Elle ne pouvait pas me voir, moi, je ne pouvais pas l'entendre. Hein. Elle me disait, il faut que tu t'en serves pour écouter. Je vois, mais ça sert de porte-clés. Et Danny Boone, il y a eu 2 ans, ce prof. Hein. Le plus dur, ça soit le collège ou le lycée, mais c'est dur pour se lever le matin, attends. Mais tu es là quand tu es jeune le matin, bon. Tu cherches la salle de bain, elle a disparu depuis, elle est tout salle de bain. Bon, tu prends ta douche, tu mets du gel, tu te brosses les dents, tu mets du gel, tu mets du Biactol. Ah oui, le Biactol obligé, hein. Moi j'ai un collègue, tellement il avait de boutons, quand il se perçait un bouton, il peut écrire Joyeux Noël sur la glace. Dégueulasse, mais c'est vrai. Bon, tu mets le t-shirt et du coup, tu remets du gel. Et le gel fixation béton, comme dans la pub. Le mec, il rabote le mur, là. Moi, j'ai un copain, il avait fait comme dans la pub. Il avait mis du gel, il avait raboté. Depuis, il est chauve. Oh, non, non, pas exactement chauve, il reste encore un peu de... Bon, et tu prends ton sac. Et tu prends ton sac. Et tu cours parce que t'es déjà en retard, alors tu cours. On dirait un peu Dora l'exploratrice, là. Et tu cours et t'arrives à l'école. Et sur le muret, il y avait toujours tous mes copains de classe. Alors nous, on nous appelait la classe Adidas, parce qu'on était une classe à 3 bandes. Oui, parce qu'il y avait toujours la première bande du « il y avait des devoirs ». Il y avait des devoirs. La deuxième bande du « oh putain, j'ai pas fait les devoirs ». Oh mais j'ai pas fait les devoirs. Et la troisième bande du « nous non plus ». Ah, et je démarrais toujours avec 2 heures d'histoire géo avec Madame Le Floch. Alors, Madame Le Floch, pour vous la décrire, c'était une grande, brune, musclée. Vous voyez Daniel Evnoux? Ouais, ben Sébastien Chabal. En plus, elle mettait des pantalons, elle. Vous voyez la marque Le Temps des Cerises? Oui, ben elle, c'est Le Temps des Pastèques. Tu vois, c'était... Non, mais ce qu'elle avait de particulier, cette prof, c'est qu'elle terminait jamais ses phrases. À chaque devoir ou chaque interrogat, ou sur des questions de géographie, vous étiez tous dans la classe de Madame Le Floch. Oh, moi, j'y comprenais rien. Moi, dès qu'elle me parlait d'histoire, on aurait dit un Sims, cette prof. Sous le sol, je vois. Je me rappelle que 3 dates en histoire, moi. La première date, c'est la Première Guerre mondiale, 14-18. La deuxième, c'était la bataille de Marignan. Et la troisième, la bataille de Minitel, 36-15. Enfin, non, mais je te jure. Mais bon, par contre, moi, ce que j'aimais bien, c'est l'anglais. Oh, l'anglais, mais il faut voir comment elle était bonne, ma prof d'anglais. Dès que je rentrais dans sa salle, ça faisait... Hello, je vais continuer à parler de l'histoire géo. Ouais, à tout à l'heure. Oh, mais l'histoire géo, même la géographie, j'y comprenais rien. Moi, je me rappelle. Elle me disait, oui, un petit peu comme M. Michel Axel, trouver quelle ville, dans quel département, où se trouve la région. Putain, déjà, j'arrivais pas à trouver la classe. Et si tu avais mal travaillé comme moi, tu t'es convoqué chez la directrice. Et quand tu rentrais dans son bureau, la plupart du temps, tu entendais ça. Qui? Hein? Qui, durant une année, n'a pas su suivre ses camarades? Ah, je les ai suivis, madame. Qui? Oui. Qui a osé faire baisser la moyenne de la classe? Je suis pas le seul dedans, madame. Qui s'est astiqué son concombre pendant 3 trimestres? C'est à vous de me le dire. Et de désigner l'élève faible. En fait, ce que je comprends pas, c'est... Anthony est l'élève faible. A-t-il le remarqué? Non, je suis con. Anthony! Oui? Vous êtes l'élève faible. Ah ouais? Ouais. Au revoir.
J'estime que si j'ai été éliminé, c'est que je pense que j'étais le meilleur. Je pense que c'est uniquement stratégique. Et comme dit un de mes profs, l'important c'est de... Et comme dit aujourd'hui mon nouveau prof, on ne demande qu'à... Paris. Merci, bonsoir.